Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être encore nombreux à me suivre. Merci de nous avoir encore choisis. Vraiment, j'ai été très émerveillé d'avoir de vos nouvelles pendant que j'étais absent. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé. Où est-ce que j'étais? Katumbi a parlé. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'étais un peu fatigué. Je me suis reposé pour une journée. Je prie un peu de temps pour me ressourcer aussi. Et pendant ce temps-là, malgré nos repos, nous avions été blessés par ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où les choses continuent à aller de mal en pire. Donc, les choses ne sont pas bonnes, les tueries continuent, la situation devient de plus en plus compliquée. Et nous sentons que les choses ne vont toujours pas bien. Batwazo Koufakaka, le gouvernement ne semble pas à maîtriser la situation. Mettant en doute les rapports qui lui parviennent à Kinshasa, le premier ministre Sama Lokonde a décidé finalement d'aller dans la région par l'entremise des députés à Ifla. Il faut quand même que nous puissions saluer cet effort des députés nationaux qui ont demandé pratiquement au premier ministre de faire encore un tour là-bas pour voir effectivement ce qui se passe. Donc, vous comprenez que dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons encore poursuivre le chemin de parler de cet état de siège. Cet état de siège qui ne marche pas, dont on ne sait pas finalement quelle sera la solution. Après que nous ayons constaté l'échec de cet état de siège. Donc, nous allons en parler, mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élections.net. Gratuité de l'enseignement, suspension de 16 chefs d'établissement à Loubero. Puis à RDC finalement, Gabriel Kyungu à Kumwanza n'est plus. Voici sur actualité.cd, Cape City, Nathan Idumba a fait ses deux buts dès l'ouverture du championnat sud-africain. Puis RDC, le député national et sénateur de Maniema sollicite l'implication de Félix Tshisekedi pour permettre à Matata Ponyo de se rendre à l'étranger pour les soins. On va sur Congo profond. Mort de Kyungu, l'INAFEC invite de ses combattants à la sérénité et au calme. En conflit avec l'El Mayobo, Dorothée Gizenga crée le parti Lumumbiste unifié Gizenga. On va sur 7 sur 7. Pour Kangalonzo, 14 parlementaires, nous en avions parlé, ont écrit une lettre à Tshisekedi, et puis Nord Kivu, 16 chefs d'établissement suspendus, et puis Kasaï Central, UDPS en sit-in à la CENI depuis 3 jours pour réclamer l'élection du gouverneur. On termine par Radio Okapi, Équateur, des touristes européens en Mbandaka pour découvrir les cultures traditionnelles et richesses en forêt. Mbandaka toujours, plusieurs cas de décès suite à la grève des infirmiers. Notabilité de l'Équateur. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Kama on a peine d'état de chaise, on a pone. Kama on a kata état de chaise, on a couf. Oui, oui, ba bikundi bingine, mina bambia déjà. Apa mina anza déjà état de siège, mina anza kwa kabido. Kabido anzo kikundi ya kabambi. Apa mina malise na kabido. Est-ce que kikundi nguni ta chima mambele angu iko? Voilà.
À Kinshasa, on est toujours prédominé par cet engouement où les gens cherchent toujours à se positionner en 2023. Donc, l'isolo kaka ya parlement, oh, nani a causé la CENI, tout ça, les gens continuent toujours à se tremper, à parler de cette division du gâteau que oh, bisoto bengaka, que bazo kabola, ba gâteau na bango, na pendant un moment où le peuple aza ko souffrir. On continue à s'embourber dans les histoires de prix. Bah, prix wana ezalaka na Kinshasa, on ne parle même pas de l'intérieur du pays. On ne parle pas. Bandeko, au lieu de s'occuper à donner les gens, Moussala, comment nous allons générer niveau de vie à population mata, nous, nous continuons à nous abaisser. Bah, kiti sa babiloko talo. Normalement, si les gens, par exemple, ont le moyen de se donner, ces histoires-là n'ont pas de place. Occupez-vous à l'essentiel, pas aux formes à Libye. Donc, nous voyons que le gouvernement, le Congolais, finalement, s'occupe tout simplement à l'extérieur. On ne veut pas vraiment aller à la source. Et loko o nini yango ekosala ki babilo ko na kita. C'est dans l'organisation du pays. Au lieu de consacrer par exemple ya ko pesa batu ba misala, ko pesa batu ba misala ndenge nini. L'état entreprendre ba projet ya reconstruction en mboka donc exwaka batu ebele pour la construction. Mais là, nous sommes en train d'aller dans les distractions, finalement. Oh, ma prix, ma billet, ça impacte sur quoi? Et quoi impacte nini la population? Bandeko, premier point, il y a état de siège, visite à premier ministre. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de la visite du premier ministre na Katia Barijoua, na Mibale? De un, finalement, lorsque le premier ministre ou bien les autorités se déplacent dans la région, ils sont toujours encadrés par le même personne qui leur donne par rapport à Kinshasa. Il est rare que l'autorité à Kinshasa va couper la batu oyo, basant un point de vue différent à l'autorité au basant en place. Parce que réalité, la vérité ne peut pas être yokama kaka na munokomoko. Yokaka pe batu. La population avait exigé une certaine ligne de conduite à Koloba. Oh, makambo ya batuori, et kosi la koma. Mais batu, oh, baza ko profite na ba situation wana. Ne baza ko kende susu ko yoka. Qui profite de cette situation à l'est de la République démocratique du Congo? Les premières de profiter à Babiloko et ça l'extérieur. Extérieur donc batu o baza ko somba kaba or na biso Babiloko nyonso tout. Ce sont ceux-là qui investissent dans ces régions-là. O baza ko tirer ba bénéfice et ça batu baza route bazo talibanda. Ils font ça comment? Ils entretiennent les groupes armés na Katia FARDC pour que situation soit qu'ils en ordre. Batunyo surtout bas en pouvoir à Kolobate, tous organisés boy. Bah matière première pour que Nelson Soubinandenga Boulou ait été. Ce n'est pas seulement les matières premières, les FARDC sont corrompus donc au moins Mutunyo surtout place Azali Azolingalia. Pourquoi? Parce que tous en Katia jungle. Donc, les lois, ceux qui battent au commandant, ceux qui commandent Fulani Kuna, ça c'est ton salut aux huit sikoyo. Moi, ma papou ya koloba, okengai siko vinange bongi. Et kobonga nandenge nini, na koboma batu. Donc, le profiteur, le premier profiteur, c'est l'étranger, et le second, ce sont les gens qui sont engagés par ces batouana étrangers, qui sont dans l'armée, qui sont dans la politique, qui sont dans les. Donc, la population, tout le monde, parce que les ordres, les alliés, les organisations, les alliés, malamouté.
Secteur minier n'a pas été incontrôlé, secteur économique est incontrôlé, on ne sait pas évaluer. Tu as habité la province, on ne peut pas quantifier le besoin sur les histoires primaires, par exemple, on ne sait pas. Sucre combien coton est consommé, sucre on est coûté ou plutôt que ça l'organisation n'est pas là. Et situation on attend que ça va continuer mais on va soda va ça qu'on profiter parce que tout est à table kangi au lelo au ébika qui va corrompre pour au kenéno libanda. Et bilan qu'on y soit na banane va se perdre, c'est le Congo qui perd. Le Congo perd dans tous les sens. Donc il faudrait, même ceux qui sont à Yekuna, pour conclure ce chapitre ici, Samazako visite Kuna, la meilleure des choses, c'est de, il faut à Yoka, les solutions que la population est en train de donner. Parce que collaboration entre FARDC et la population est alité. Parce que la population est yébique, c'est là le grand problème. Et ça, cette la cloche wana est comme à Kana Kinshasa. Alors, pour que ça aille vraiment réalité, zanin, il faut absolument atala, asolola, na bana, na munoko msusu oya batu wa bakuzo kambare jonte. Parce que le lieu comme il y a militaire baza comme menacé batu. Ba militaire baza comme menacé batu. Bo sala boete, bisonne mtoudou. Ils sont là pour s'enrichir. Et ça, c'est moi quand il y a sécurité. Ils ne peuvent pas assurer la sécurité tant qu'ils sont en train de tirer profit de l'insécurité qu'ils créent eux-mêmes. Donc, des complexités à l'opouana. Nous pensons donc, pour conclure ici, que visite-toi et coucher d'une souris. Et qu'aux alaka, qu'à Abeti, n'aie moi, à tout, à Kozonga, Kinshasa, par rapport à Koyanango, et qu'au Kotakaka, n'a pas tiroir. Bandeko, FARDC na côté et Turikuna avant l'état de siège, et ça la cause à la peu près 80-50 barrières. Na banzela wana tout. Je prends l'exemple, je prends globalement parce que ils ont un tronçon par exemple Aru, tronçon à Kokende ici, autre. FARDC va tchaka ba barrière na bango kuna. Bokokuta, si vous me suivez bien depuis longtemps, na tchaka ba photo moko awa. Ba rebelles, ce qu'on dit des rebelles, ce qu'on dit des forces négatives. Ba kangi ba photo, na ba officier à faire des essais. Mais le problème c'est que vous ne pouviez pas distinguer que au hasard rebelle ou bien au hasard force négative na o, parce que bangonyo sobala tindenge moko. Et c'est ça qui compliquait, et ça qui compliquait situation na katia terrain. Population za komona ba toba kwa koboma lo ba boma kibisolobi ba bande kola ta ba sokoto o ya ba soda kaka ba trei même ya ba militaire ya ba nani wana ya ba unité wana ya avant-gardiste ba kenda ka penza ko na attaque ba teni wana zala ki ko la ta mana ba toba boma kilobi ba témoignage jezalia o ebele. Alors qu'est-ce qui se passe? La population basa komona okoyoka babi na montagne wana ezana ba rebelle ba koyebisa ba FARDC que non ba rebelle basa kote kuna batoyo ba kodeko o ba kodeko basa kote kuna bangone mutu ba baziki saki camion tel lobby awa boyo ba kopesa ba rapport wana. Mais qu'est-ce qui se passe? Le FARDC ayant connaissant que ba masta na bango de baza kuna bakobenga na onde ni note kona kuna kusimba te biso mutozali awa. Tout ça la population connaît, population yebi. Maintenant, hier, dans la nuit du dimanche à lundi, bandeko, soldat moko boza komona na moni na lakisi awa na nani. Opérant, aza ko opéré penza. Mais la population est obitée. Moutoyo, azoya ko yiba, donc azoya ko pillé. A pillé, baninga na ye bazalaki troupe, baninga na ye bazalaki troupe, bazo kende ba mission na bangone ye bazalaki, atika la kisima. Basi ba pillé, ba nani ba boutique, ba nini ba kei,
population tikala ko kangaye ba kangie nde bomoni photo na ba bomie. Alors la population commence à voir cette ebandaka boy. Population comme il faut se prendre en charge finalement à Kolobaté. Bato bisopé to bandosili sa bango moko moko. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Et ça va quand même, ce qui va bomi kuna, faire des essais, batouana balongwe bakei, bakei wapi boye bite. Ce sont quand je vous dis que ce sont les mêmes unités à faire des essais, moutouaza kosala a bilokoyo, bino bondi makate. Donc, moutouyo bakanga ki e azala ki na groupe wana, ya va faire des essais ou abande kopie. Regardez la tenue, tenue yango, yango. Est-ce que, aza Rwande? Aza Ougande, bien sûr que naba ba unité mususu on va faire de ces babandé qu'on créé. Ils créaient, ils mettaient, ils recrutaient eux-mêmes. Babandé qu'on recrutait ba tout ba Tanzanien, ba Rwandais, parce que même ba colonel on va ça qu'on ba ça qu'on commandait faire de ces côtés kuna. 80% ce sont des Rwandais. 80% ba commandant au outil à partir de même à Kalemi. O matiti na kote ariana ni ya isiro na buni ya kuna bango mingi 80% ce sont les nilotiques baboya kako kende na kote west et ça va commander ba Rwanda. Mais notre armée quand il commence à se dire que notre osa infiltré, c'est parce que bozoyo kabango mingi te, ils ne disent rien, ils font profil bas pour l'instant, mais baza ko sala na kati ya bako provisionner batwa na mususu tamu boko recruter batoyo boyemani na bango o bazana tamu mususu na lobaki na bino na lobi ba groupe wana operaka entre 15 et 20 personnes na bakati ya ba groupe wana okokuta bana nike bazana kati basi bazana kati ba far de ce o nde bazako commander bango il va far de ce a solo. Ba okiko za ata msusu 4 na kati ya groupe wana. Me 15 ezaba tu msusu ubye baba ba recruter ubye oyo ba boyoka kao ba kidnappa ki batu. Ba sala ki operasyon ba kidnappe ba kena bango. Ba garçon ya ba village ta msusu. Me ba koyebi sabino keno chef azana far desi. C'est comme ça que ça se passe. Donc on a commencé à tuer. Yangwana tomoni sikoyo ba tuere za ko continuer et puis ba greve bandeli lisusu parce que le munande finalement commence à se dire to kuvanda ka boete ata batu o ba komi ko donc ba komi ko intimider batu bo sala ma manifestation te boza komona dans le prochain jour qui arrive bo komona sikoyo que forme ya réclamation et ko banda sikoyo ko qu'on prendre ba ampleur mususu tiba tu ba ko na balabala parce que on en a marre solution zo zo amate tongo ko continuer bo ete ba bakufaka et ça ça ne donne aucun sens et ça n'a sens mon côté ba même personne wana bazako bomabino bazako bomabatu hein
je voulais donner forme. Même personne qui tue, ce sont les mêmes personnes à qui vous donnez la responsabilité de protéger les gens. Ça ne et ça, tout ça, en conclusion, c'est parce que Kinshasa va linger koyoka population T. Nous avions dit ceci, Bandeko. Pour rappel, solution est qu'on a réapproprié la force et le pouvoir à la base. Réorganiser base. On a besoin de gouverneur militaire, ou bien administrateur militaire, on a besoin de on ne regroupe pas les communautés. On ne regroupe pas les conférences. Ba état de lieu ba communauté ba ba territoire wana faire des yakobengi sabatu, mais il faudrait que biloko wana ezala accompagner na ba action concrète bokobengi sabatu te kaka ke no boye ko e sabango no wa to vanda to solo la te. Il faut planning ezala que batu wana ba reprendre vie normale. Pour te répondre vie normale, ah qu'est-ce qu'il nous faut? Étudions to sangana. L'exemple commence un peu à se faire na côté anani na yete sur Bolanda ki na côté anani ya fizi na ba itombwe kuna batu ba finalement ba vandi ba lobi pour que kimie pa na biso ezala. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est encore préliminaire, mais c'est quand même quelque chose à encourager parce que batu ba komi koloba biso tolingi kimia tolingi ko bunal susu te. Et c'est ça la solution que moi je suis en train de prôner ici, que non. Il faut absolument appeler les états de lieu de territoire pour que ma communauté va vendre à lobby bandeko. Voici la vérité. Je crois que les administrateurs de territoire, il fallait de ma bande par là. Tolo banini en haut, il faut tout ça là pour to coopérer na population, population ndima, ba action na biso auto ko implémenter pour na pezonga pour to détecter monguna za wapi. À ce moment-là, ça pouvait épaisser à moi confiance entre la population na FARDC. Mais le comble est que les FARDC sont connus déjà par leurs mauvaises habitudes na population. Et ça, c'est comme cela que nous disions que non. Peut-être qu'il faut amener une autre armée plus organisée pour que la population ba communier na ngo ba ebisa bango monguna zana ni mugo nani. Parce que bon, pas les mêmes personnes que vous êtes en train de tuer, ce n'est pas les mêmes personnes qui viendra auprès de vous, qui vous connaissent, qui aya koyeb sabino que non, awa monguna zabo, parce qu'ils savent, ba yemi ke monguna yeyo. En tout cas, action o ezako salema na kote ya fizikuna na population evande sali ba conférence na bango, eza malamu. Parce que ezako moni sakeno batu, ba komi kozwa mwa conscience akoloba, la paix ne viendra pas de Kinshasa. La paix c'est nous qui la créerons ici na ba territoire na biso. C'est maintenant autour de Kinshasa de comprendre que non, il faut donc encourager babiloko ndengwana ya koloba que non, comme ce qui se passe au sud Kivu. Gouverneur a komi ko interdire que non ba carré minier oyo bo stopper na lutoko. Ça commence maintenant. Maintenant, il faudrait donner maintenant à la population ce pouvoir-là de dire que non. Vous organisez par exemple dans la collectivité, dans la banane, dans la pour que vous ayez un peu acquis des droits, vous réclamez un droit dans la déjà à la base. À ce moment-là, on pourra collaborer na biso yo tout au yebi ke non mutu o yazali awa azo salisa o azo salisa te o azako yiba o azo sala nini. Donc, collaboration na ba état de siège est nécessaire. Mais il faudrait que la Kinshasa va comprendre que non. Le même militaire là, que nous connaissons, que ce sont eux qui nous tuent, ce ne sont pas le même militaire à qui vous pouvez donner la responsabilité de nous garder encore. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Donc, on soukawana lelo et on continuera. Il y a beaucoup de révélations sur l'état de siège. On a beaucoup copé sa binote parce que dans un témoignage même à militaire, des bons militaires qui disent bas on peut sa témoignage que non ah tozo ça les locaux mon côté tokotia là le moment vient na copé sa cabine yango, mais nous taisons leur nom parce que nous
tozo banga ke non ba to tcha bango na danger soki to 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 divulguer ba témoignage na bango mais no to tinde la kango a qui de droit surtout à la présidence de la République ba to bazo kanisa ke non ba témoignage wana tamba tinde la kabiso to garda kango te. Il y a des gens à qui nous envoyons et que nous avions dit que non otoyebi ke soki ke pa na bango ba koyoka et pour ba kosala ba twana eloko mokoti. Voilà. Mes chers amis, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous nombreux vraiment sur cette chaîne. Nous avons besoin de vos abonnements. Bah, partage déjà vos salaka bien, vous partagez avec l'émission, mais bah, abonnement des photos, tout ça a besoin d'abonnement. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous nombreux sur la chaîne. Please, please. Voilà. Nous allons nous revoir encore demain dans un nouveau numéro où on parlera de l'organisation de notre République. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Toko Lobela, pourquoi ba salaka ba scandale et puis batuba likambongwe le kinde mwanaka. Botsali o baibi ministre ba kangibo. Nous parlerons de ça. Pourquoi les scandales et rien? Batuba salaka tana na morale a ko démissionner. Nous allons en parler demain. Ne manquez surtout pas. Toko lobela sur quand est-ce que les démissions mutwa ko ko sala likambo boye et monani pe na katia miso abatu et puis on continue ko sala et tu n'es même pas inquiété et ça sonne pour la République na biso. Portez-vous bien, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir.